C'était le mercredi 4 août 1943. En pleine Seconde Guerre mondiale, les troupes canadiennes étaient engagées dans la campagne italienne depuis le début juillet. Ici en Ontario, les gens suivaient les nouvelles du front, scrutant avec anxiété les listes des victimes dans les journaux quotidiens. Le moment était mal choisi pour la tenue d'une élection provinciale et seulement 52 % des électeurs admissibles se sont rendus aux urnes cette journée-là afin d'élire la 21e législature de l'Ontario. Malgré son taux de participation faible, cette élection a été marquante dans l'évolution du rôle des femmes dans le tissu politique de la province. Dans la circonscription torontoise de Brockendale, les citoyens ont élu Margaret Ray Lecoq, alors que les électeurs de York-Est ont choisi d'envoyer Agnes Campbell-McPhail à Queen's Park. Pour la première fois dans l'histoire de la province, les femmes allaient prendre leur place aux côtés des hommes dans la Chambre de l'Assemblée législative. Pour elles, c'était l'aboutissement d'un long cheminement vers l'obtention du droit de voter et de se porter candidate à une charge publique en Ontario. Au moment de la Confédération, les possibilités qui se présentaient aux femmes, tout comme celles qui se présentaient aux hommes, dépendaient de plusieurs différentes caractéristiques. On sait, par exemple, qu'au Canada, les femmes autochtones ont obtenu le droit de vote seulement au début des années 1960. Mais les possibilités qui se présentaient aux femmes, par exemple leur accès à l'éducation, à une profession, dépendaient souvent du statut socio-économique de leur famille. Par exemple, une femme appartenant à une famille de classe moyenne supérieure de Toronto, protestante, bien nantie, aurait eu beaucoup plus de chances de pouvoir suivre des cours à l'Université de Toronto quand ces cours se sont initialement ouverts aux femmes dans les années 1880 qu'une femme de milieu ouvrier ou encore agricole. On ne peut donc pas parler des femmes comme d'un groupe homogène. Il faut parler de l'intersection de leur classe, de leur statut d'immigrante et des possibilités offertes ou refusées par la position de leur famille dans la société ontarienne. Au début des années 1800, aucune loi du Haut-Canada n'interdisait aux femmes de voter. Malgré tout, la majorité d'entre elles demeurait traditionnellement au foyer lors des élections. Cependant, au cours de l'élection de 1844, sept femmes ont voté et causé la défaite du candidat réformiste dans une des circonscriptions. Pour éviter que l'histoire ne se répète, lorsque le Parti réformiste du Canada a regagné le pouvoir en 1849, il a adopté une motion proclamant et décrétant qu'aucune femme n'aura le droit de vote lors d'une quelconque élection. Dans les années 1850, une abolitionniste afro-américaine dénommée Marianne Shad Carey s'est frayé un chemin vers le Canada où elle a fondé et publié un journal connu sous le nom de The Provincial Freeman. Alors qu'elle plaidait pour l'abolition de l'esclavage, pour la tempérance et pour l'éducation publique, Shad Carey remettait aussi en question le rôle des femmes dans la société. Dans un article daté du 12 août 1854, The Provincial Freeman proclamait « Mais encore là, certains hommes refusent bêtement aux femmes le droit de s'exprimer en public, d'exercer la médecine et de voter. » Les femmes se sont vues refuser expressément le droit de vote en 1867 lorsque les colonies du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse sont devenues le Dominion du Canada. Selon les termes de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, le droit de vote ainsi que le droit de siéger au provincial ou au fédéral étaient réservés aux hommes propriétaires, sujets britanniques et âgés de 21 ans et plus. Les femmes n'étaient pas les seules à être exclues. Ces droits étaient aussi refusés aux immigrants non britanniques et aux autochtones. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, l'émergence de sociétés industrielles en Europe et aux États-Unis a contribué à la formation de mouvements sociaux qui ont fait leur chemin vers le Canada alors qu'il entrait lui aussi dans une période d'industrialisation rapide. Parmi ces mouvements, une sensibilisation à la discrimination entre les sexes dans presque tous les aspects de la société a commencé à faire surface. Des femmes déterminées ont alors formé des associations afin de revendiquer l'égalité des droits, menant ainsi à l'amélioration du statut et du niveau de vie de toutes les femmes. Emily Stowe était l'une de ces femmes. À une époque où aucune faculté de médecine canadienne ne l'acceptait en raison de son sexe, elle s'est inscrite au Collège de médecine pour femmes de New York.
Après avoir obtenu son diplôme en 1867, elle est revenue à Toronto, où elle est devenue la première femme médecin au Canada. Insatisfaite à l'égard des nombreuses limitations sociales et professionnelles auxquelles les femmes faisaient face, elle a fondé la première organisation suffragiste ontarienne. Afin d'éviter toute polémique, l'organisation portait le nom de Club littéraire pour femmes de Toronto. Les organisations comme le Club littéraire pour femmes de Toronto évoquent une époque où les femmes qui voulaient défendre leurs droits étaient souvent obligées de le faire de façon cachée ou encore clandestine. Étant donné la possibilité d'une réaction potentiellement vigoureuse à leurs idées, elles ne se qualifiaient pas de société d'émancipation ou d'association suffragiste. Ces femmes se réunissaient sous le couvert de sociétés littéraires, dans des demeures privées, les après-midi de semaine, et plutôt que de discuter de simples romans et de levées de fonds pour les activités culturelles locales, elles parlaient des façons de faire avancer leur cause. Au cours de ses 6 années d'existence, le Club littéraire a éduqué ses membres et la population sur les différentes formes de discrimination auxquelles les femmes faisaient face. Les membres du Club ont contribué à faire pression sur l'Assemblée législative de l'Ontario, qui a finalement adopté une loi en 1882 permettant aux femmes propriétaires non mariées de voter sur les règlements municipaux. En 1883, le Club littéraire a été dissous et remplacé par un nouvel organisme ouvertement consacré au suffrage des femmes. Bien que l'objectif ultime de l'Association des suffragettes de Toronto était le droit de vote, ses membres ont aussi fait campagne pour de meilleures conditions de travail pour les femmes et se sont battus pour améliorer les droits de propriété des femmes mariées. C'est ainsi qu'en 1884, l'Ontario a accordé aux femmes mariées le droit de posséder et de gérer une propriété sans consulter leur mari. Cette année-là, la loi sur l'industrie manufacturière, la Factory Act of 1884, a aussi été adoptée pour protéger les femmes et les enfants travaillant dans les usines et pour en assurer les conditions sanitaires appropriées. Puis, en 1886, l'Association des suffragettes a persuadé l'Université de Toronto d'accepter les étudiantes. Ce devait être un moment de fierté pour Emily Stowe de voir sa fille Augusta devenir la première femme diplômée du Collège médical Victoria. Tout comme sa mère avant elle, la docteure Augusta Stowe Gullen s'est aussi vouée à la cause des suffragettes. Et lorsque Emily Stowe est décédée en 1903, c'est Stowe Gullen qui l'a remplacée en tant que présidente de l'Association pour l'émancipation des femmes du Dominion. Entre 1884 et 1888, plus de 100 pétitions pour le droit de vote des femmes ont été déposées auprès des conseils de ville et de l'Assemblée législative. À Queen's Park, les suffragettes comptaient sur un allié de taille, John Waters, le député de North Middlesex. À partir de 1885 et au cours des 9 années qui ont suivi, il a déposé avec diligence des projets de loi pour l'admission des femmes au suffrage. Ces projets de loi ont tous été rejetés ou retirés. Ceux contre le suffrage des femmes utilisaient souvent des arguments bibliques pour leur refuser ce droit. L'honorable John Dryden a dit en chambre que « l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme » et que « tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi ». Un peu moins biblique, une citation de l'évêque de Niagara dans le journal The Globe a dit que « les suffragettes sont comme des rats. Elles devraient être passées au jet d'eau ». Certains craignaient que le droit de vote des femmes ne compromette l'harmonie domestique entre mari et femme. Plusieurs argumentaient aussi que si les femmes avaient le droit de vote, elles ne prendraient pas la peine de s'en servir. Ma grand-mère a obtenu le droit de vote seulement dans la trentaine. Elle est née en 1888 et elle n'a jamais manqué une occasion de voter. Elle a vécu passé ses 90 ans et elle a voté à chacune des élections depuis le moment où ça lui a été permis de le faire. Ça a été profondément enraciné en moi que c'est un droit, mais aussi que c'est un droit qui nous a été refusé à nous, les femmes, auparavant et pendant longtemps. Et c'est grâce à l'expérience de ma propre grand-mère, de qui j'étais tellement proche, que je l'ai valorisée.
Et honnêtement, je pense à elle lorsque je vais voter. C'est réellement, réellement important pour moi de savoir qu'elle n'a pas toujours eu le droit de vote et que lorsqu'elle l'a obtenu, elle ne l'a jamais pris pour acquis. À la fin de 1888, l'Association des suffragettes de Toronto a décidé qu'elle devait sensibiliser le public afin d'augmenter son soutien à la cause. En janvier 1889, 4000 invitations ont été envoyées à la première de quatre conférences offertes par deux suffragettes américaines, la docteure Anna Howard Shaw et Susan B. Anthony. Les suffragettes en visite ont aidé à augmenter le soutien populaire à la cause qui a mené à la formation de groupes suffragistes à l'échelle de la province. Un autre résultat de cet enthousiasme renouvelé a été la création de l'Association pour l'émancipation des femmes du Dominion. Avec la Dr. Stowe en tant que présidente, des sections locales de cette association se sont rapidement formées dans des villes et des villages partout en Ontario. Les femmes de l'époque ont aussi été touchées par un autre mouvement de réforme sociale important qui a joué un rôle clé dans la lutte pour les droits des femmes. Le mouvement pour la tempérance défendait surtout la prohibition de l'alcool qu'il tenait responsable de beaucoup des maux de la société. La section ontarienne de l'Union chrétienne des femmes pour la tempérance a été fondée à Owen Sound en 1874 par Letitia Humans. Au départ, l'Union chrétienne était contre le suffrage des femmes, mais un discours de la docteure Anna Howard Shaw en 1891 a poussé la section ontarienne à unir ses efforts à ceux de l'Association pour l'émancipation afin d'appuyer le vote des femmes. L'Union espérait qu'avec le vote des femmes, la prohibition serait inscrite dans la loi. L'Union chrétienne des femmes pour la tempérance a été une des organisations de femmes les plus importantes des débuts de la politique ontarienne. Beaucoup de mes étudiants se posent la question à savoir ce qu'une organisation de tempérance pouvait bien faire avec ce qu'on qualifiait à l'époque d'un mouvement progressiste. Mais c'était un mouvement progressiste, un effort pour assurer que les femmes et les enfants aient de l'argent pour se nourrir et se loger et que le revenu familial entier gagné par l'homme salarié soit pas gaspillé dans un bar local. L'Union chrétienne des femmes pour la tempérance faisait donc partie d'un grand mouvement progressiste de la fin du 19e, début du 20e siècle, dans beaucoup de grandes villes canadiennes, y compris Toronto. Elle voulait des lois assurant la propreté des aliments et des médicaments, des lois sur le salaire minimum, des bibliothèques publiques, des réseaux de publics d'aqueducs et de meilleures possibilités d'emploi pour les jeunes femmes et les filles. Et donc, conséquemment, on peut avancer l'argument que cette union faisait partie d'une alliance, d'un mouvement progressiste plus large qui voulait vraiment mettre en place des réformes sociales, ce qui serait aujourd'hui vu comme modéré progressiste. C'était pas très radical. On ne parle pas ici de partis politiques socialistes et communistes, mais on parle d'une réforme sociale modérée qui, historiquement, a été appuyée par beaucoup d'électrices au Canada. C'est ainsi qu'en 1894, 150 délégués de l'Association pour l'émancipation et de l'Union chrétienne ont rendu visite au premier ministre Oliver Mowat à Queen's Park. Même si le premier ministre a exprimé sa sympathie pour leur cause, aucun geste concret n'a été posé. En fait, une longue décennie s'est écoulée avant qu'un projet de loi pour la promotion du suffrage des femmes ne soit déposé à l'Assemblée législative. Les suffragettes se sont donc tournées vers le théâtre politique pour faire passer leur message. Le soir du 18 février 1896, les prohibitionnistes de Letitia Humans et les suffragettes d'Emily Stowe ont mis en scène une simulation parlementaire au pavillon des Allan Gardens à Toronto, un espace mondain accueillant plus de 1800 personnes. Lors d'une soirée riche en divertissement, l'auditoire a aussi assisté à des numéros musicaux et dégusté des hors-d'œuvre. Pour la simulation du Parlement, l'Assemblée législative avait été reconstituée avec le rôle des députés joués par des femmes accueillant une délégation d'hommes qui pétitionnaient humblement d'obtenir le droit de vote. De nombreuses suffragettes bien connues en Ontario y ont participé, dont la docteure Emily Stowe, sa fille Augusta et Letitia Humans. Tout en se moquant des arguments utilisés par les anti-suffragettes, elles ont débattu, au grand plaisir de la foule, la question de savoir si les hommes étaient aptes à voter ou non.
Des décennies se sont écoulées entre la première simulation de Parlement au Allen Gardens et l'émancipation des femmes en Ontario. Mais l'idée était de garder l'enjeu d'actualité et les militantes engagées. Ça a été une très longue lutte, mais je crois qu'elle a abouti à d'importants résultats. Cet enjeu-là a uni tout le monde en leur donnant le sentiment qu'elles travaillaient collectivement, qu'elles n'allaient pas s'épuiser et qu'elles allaient s'amuser en chemin. Et à mon avis, toute personne qui lit le scénario du Parlement simulé saura que l'allégation que les féministes n'avaient pas ou n'ont pas le sens de l'humour est tout à fait sans fondement. Qu'il me soit permis de déposer, appuyé par la députée de Parry Sound, un projet de loi intitulé « Loi destinée à empêcher les hommes de porter des culottes et des vestes courtes et ajustées en faisant de la bicyclette ». Députée de Peel, un projet de loi intitulé « Loi pour protéger les électeurs décédés ». L'objectif de ce projet de loi est d'ajouter aux membres du personnel de fonctionnaires de la Ville de Toronto un clairvoyant dûment qualifié dans l'entreprise. Madame la Présidente, je désire aviser la Chambre qu'à sa prochaine séance, je proposerai que toute députée utilisant la Chambre comme dortoir se voit privée de l'exercice de ses droits. Mademoiselle Rose, est-ce que le gouvernement a l'intention de proposer une mesure destinée à faire retentir la sonnerie du couvre-feu à 10 heures chaque soir de la semaine afin d'avertir tous les hommes dans la rue de rentrer chez eux, à moins qu'ils ne soient accompagnés de leur épouse? Madame la Présidente, qu'il me soit permis à la prochaine séance de la Chambre de proposer un projet de loi remédiant l'injustice faite au sexe faible de l'humanité. En effet, à cause d'une tradition ancienne, les hommes font le même travail que les femmes de façon égale et efficace, mais ne sont payés que la moitié ou le tiers du salaire des femmes. Ordre du jour, 13 février. Deuxième lecture du projet de loi 48, loi destinée à accorder l'émancipation aux hommes au même titre que les femmes. En 1907, 4 ans après le décès d'Emily Stowe, l'Association pour l'émancipation des femmes du Dominion a changé son nom pour l'Association des suffragettes canadiennes. La docteure Augusta Stowe Gullen en est demeurée la présidente jusqu'en 1911. Flora MacDonald Dennison, une autre membre importante de l'association, était une entrepreneure et une écrivaine prospère et la rédactrice d'une page consacrée aux enjeux touchant les femmes dans le journal Sunday World de Toronto. Ce journal a été une source importante d'information et de promotion de la cause du suffrage universel. Dennison a présidé l'association de 1911 à 1914 pour ensuite être remplacée par la docteure Margaret Gordon. En mars 1909, collaborant avec 14 sociétés représentant entre autres des avocats, des médecins, des enseignants et des travailleurs, l'Association pour l'émancipation et l'Union chrétienne ont organisé une délégation monstre à l'Assemblée législative de l'Ontario. Elles ont présenté une pétition en faveur du suffrage féminin signée par plus de 100 000 citoyens. Comme à d'autres occasions, les femmes ont été accueillies avec sympathie mais n'ont reçu aucune promesse d'action de la part du premier ministre James Whitney. Plus tard, il a exprimé ses sentiments en disant « Le suffrage des femmes est une question d'évolution et l'évolution n'est qu'une application des lois de Dieu, c'est pourquoi nous ne devons pas tenter de l'accélérer. » Le mouvement des suffragettes a rapidement pris de l'ampleur lorsque le Conseil national des femmes a officiellement appuyé leur cause. La section canadienne du Conseil a été créée en 1893 par Lady Aberdeen, l'épouse très respectée du gouverneur général du Canada de l'époque. Elle était également présidente du Conseil international des femmes lorsqu'il a tenu son congrès à Toronto en juin 1909. Au cours de ce mois, des slogans tels que « Les filles du Canada devraient être libres », les femmes représentent la moitié de la population. Femmes, l'égale de l'homme et pas de sexe dans la citoyenneté ont été scandées dans les rues de Toronto pendant des jours. Par solidarité, des femmes sont même venues des États-Unis et d'Europe à Toronto. Lors d'une assemblée publique, elles ont convenu à l'unanimité que les femmes devraient avoir le droit de vote dans tous les pays où il existe des gouvernements représentatifs. Les femmes ont fait
beaucoup de progrès, vous savez. Je me souviens d'avoir parlé à un organisme de la communauté finlandaise à Thunder Bay et on m'a expliqué comment les femmes finlandaises avaient aidé le mouvement des suffragettes ici au Canada. Parce que lorsqu'elles sont arrivées au Canada, elles ont perdu le droit de vote. Et c'était quelque chose pour laquelle elles s'étaient battues en Finlande, mais qu'elles avaient perdu en arrivant au Canada. Et je me rappelle à quel point c'était important que les femmes, en tant que femmes, se regroupent, entre autres, avec le mouvement syndical pour dire « nous voulons que ce droit soit rétabli pour nous et pour toutes les autres femmes ». Le mouvement des femmes a certainement fait partie de notre collectivité et a contribué à façonner le tissu de cette province, malgré les obstacles. Et pour les femmes d'aujourd'hui, c'est à nous de nous en souvenir et c'est important que les femmes reconnaissent que ces droits n'ont pas seulement été accordés, mais qu'ils ont été gagnés. Bien que les suffragettes en Ontario aient fait campagne en respectant la loi, les suffragettes britanniques, elles, ont participé à des manifestations plus radicales et parfois violentes. Les actions des suffragettes britanniques étaient suivies avec un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude dans les journaux et les périodiques canadiens. Malgré tout, lorsque l'Association des suffragettes a invité Emmeline Pankhurst et plus tard sa fille Sylvia à prononcer des discours en Ontario, des lieux comme Massey Hall à Toronto étaient bondés de gens venus les entendre. Alors que le militantisme auquel adhéraient les suffragettes britanniques ne s'est jamais manifesté au Canada, leur passion a inspiré les suffragettes canadiennes et influencé positivement l'opinion publique. Les suffragettes ont participé à des activités ailleurs qui ont certainement été plus radicales, mais je pense que les idées de certaines féministes de Toronto étaient très controversées à l'époque. Certaines d'entre elles ont avancé l'argument modéré selon lequel on devrait offrir aux femmes le droit de vote afin de nettoyer et de purifier la société pour qu'elle soit aussi ordonnée et propre que le ménage privé. D'autres, dont Flora McDonald Dennison, qui avançaient qu'en fait, la raison pour laquelle les femmes devraient avoir le droit de vote était purement une question de justice politique. C'était un argument très radical. Donc, bien que les moyens employés en Ontario étaient peut-être plus modérés, certaines des idées étaient vraiment radicales à cette époque-là et le seraient aussi pour la nôtre. Au printemps 1913, un défilé monumental pour le suffrage a été organisé pour coïncider avec l'investiture du président Woodrow Wilson. Des femmes du monde entier se sont jointes à leurs sœurs américaines à Washington, D.C., pour manifester leur solidarité internationale. Flora McDonald Dennison a rassemblé un contingent canadien composé de groupes de suffragettes de l'Ontario qui se sont rendus ensemble en train à Washington. Lorsqu'on lui a demandé quels étaient les objectifs du défilé, Dennison a répondu « de faire la promotion du mouvement pour l'émancipation des femmes et de faire comprendre aux gens qu'il s'agit d'un mouvement logique dont il faut apprécier la justice ». Comme du temps de John Waters, les suffragettes avaient toujours des alliés à l'Assemblée législative. Entre 1905 et 1916, des projets de loi de députés visant à accorder aux femmes le droit de vote ont été déposés à chaque session parlementaire. En tout, 27 projets de loi à cet effet ont été proposés. La docteure Margaret Gordon et l'Association des suffragettes ont gagné le soutien de 160 conseils municipaux afin de demander à Queen's Park d'accorder aux femmes le droit de vote, ce qui a exercé une plus grande pression sur les législateurs. Au départ, les projets de loi et les pétitions ont été accueillis avec moquerie et risée. Mais au fil du temps, les propositions ont entraîné un débat plus sérieux. Finalement, la question est devenue une priorité du gouvernement en raison des événements en Europe. La Première Guerre mondiale a mis fin à toute opposition gouvernementale au droit de vote des femmes. La Première Guerre mondiale a constitué une percée importante, mais évidemment, elle s'est produite après des périodes d'urbanisation, d'industrialisation, des pressions de la part d'organisations de femmes pour gagner le droit de vote et de devenir titulaires de charges publiques afin d'influencer les politiques. L'attente a été longue, mais la Première Guerre mondiale a offert au gouvernement l'occasion non seulement de gagner le soutien électoral des femmes, espérant ainsi être réélues, mais aussi, dans une certaine mesure, de faire taire les détracteurs qui demandaient vivement que ces droits soient accordés, mais qui, malgré un certain vent favorable, ne trouvaient pas d'appui à leur demande.
le rôle de la femme a changé drastiquement au cours de la guerre. Un grand nombre d'entre elles ont quitté leur place bien établie au foyer pour reprendre les emplois traditionnellement occupés par les hommes qui s'étaient enrôlés dans l'armée. Les femmes ont aussi répondu aux cris de ralliement patriotique, servant au front comme ambulancières et infirmières. À la fin de la guerre, 47 infirmières canadiennes en service avaient perdu la vie. Chez nous, les efforts de bénévolat des femmes et leur travail rémunéré dans les usines et les fermes constituaient la preuve que les femmes méritaient d'avoir les mêmes droits que les hommes. Le 28 janvier 1916, le Manitoba est devenu la première province à accorder le droit de vote aux femmes et ce n'était qu'une question de temps avant que l'Ontario ne fasse de même. Le 15 février 1917, deux projets de loi de députés appuyant le vote des femmes ont été déposés à l'Assemblée législative. Un de ces projets de loi était même parrainé par John Wesley Johnson, député du gouvernement sous le premier ministre William Hearst. Le 27 février, lors du débat de deuxième lecture, le premier ministre, qui s'était toujours opposé à la cause des suffragettes, a pris la parole. Dans les tribunes publiques, les suffragettes ont été surprises d'entendre Sir William soutenir le projet de loi de Johnson. En hommage au travail des femmes durant la guerre, il a déclaré que « les femmes devraient être les partenaires des hommes au sein des conseils de la nation ». C'est le 12 avril 1917 que la sanction royale et le titre officiel de loi ont été accordés à la loi sur le droit au suffrage, l'Ontario Franchise Act, et à la loi sur les élections de l'Ontario. L'Ontario Elections Act. Il restait toutefois un obstacle à vaincre. Les femmes avaient gagné le droit de vote, mais pas celui d'être candidates aux élections. Il aura fallu 2 ans de plus avant que ce droit ne leur soit accordé le 4 avril 1919 grâce à l'adoption de la loi sur l'admissibilité des femmes candidates aux élections législatives, la Women's Assembly Qualifications Act. Suite à l'adoption de cette loi, il aura fallu 26 femmes candidates dans cette élection provinciale avant que Ray Lecoq et Agnes MacPhail ne soient élues en 1943. Agnes MacPhail était déjà bien connue. Elle avait eu l'honneur d'être la première femme élue à la Chambre des communes à Ottawa. C'est là qu'elle a représenté les circonscriptions fédérales de Grey Southeast et de Grey Bruce de 1921 à 1940. Militante pour l'éducation des adultes, la gratuité des frais de scolarité universitaire et un meilleur accès à l'éducation pour la population rurale, elle demandait également des services de garderie financés par l'État et une réforme des pénitenciers. MacPhail était une ardente défenseure des droits des femmes et disait « Je souhaite, pour moi, ce que je souhaite pour les autres femmes, une égalité absolue. » La réussite politique finale de MacPhail a été l'adoption en 1951 de la première loi sur l'équité salariale en Ontario, la Female Employees Fair Remuneration Act. MacPhail demandait une telle loi depuis longtemps et malgré les contraintes qu'elle contenait et que MacPhail a elle-même critiquées, c'était un pas important vers l'inscription dans la loi de l'égalité des femmes dans la société. Ray Lecoq venait d'une famille politisée. Son père, James J. Morrison, était le fondateur des United Farmers of Ontario, le parti qui a été élu au pouvoir lors de l'élection de 1919 en Ontario. Elle a déménagé à Toronto après s'être mariée, où elle a vécu dans la pauvreté et la tragédie. Elle a travaillé comme chapelière pour dames et couturière, mais comme de nombreuses autres personnes, elle a perdu son emploi au cours de la Grande Dépression des années 30. Sa fille, Fern, est ensuite décédée à l'âge de 12 ans en raison de complications causées par la scarlatine. Suite au décès tragique de sa fille, Lecoq était déterminé à représenter les personnes défavorisées et démunies. Lecoq a affirmé que « chaque être humain de toutes les couleurs, races ou croyances possède le même droit à la vie, à la liberté ou au bonheur ». En tant que député de l'opposition officielle, Lecoq a été porte-parole en matière d'éducation. Elle a appuyé le salaire égal pour travail égal, le salaire pour femmes au foyer et le droit des femmes de demeurer au travail après la guerre. Lecoq était aussi une environnementaliste en avance sur son temps
faisant la promotion du reboisement et critiquant la pollution de l'air. Bien qu'elle n'ait rempli qu'un seul mandat à l'Assemblée législative, Rayla Cock a poursuivi sa carrière de militante à titre de présidente de l'Association des femmes au foyer et des consommateurs. Elle a lancé une pétition connue sous le nom de la Marche d'un million de noms pour critiquer le prix élevé de la nourriture et des articles ménagers après la guerre. En plus, elle a lutté pour la paix toute sa vie. Elle a créé le Congrès des femmes canadiennes et a voyagé jusqu'en Chine afin de participer à des conférences internationales sur la paix. Après 10 ans et 4 élections au cours desquelles 40 femmes se sont portées candidates, Ada Pritchard a finalement été élue à Hamilton Center en 1963. Depuis ce temps, des percées considérables ont été réalisées. En 1992, Lynn McLeod est devenue la première femme à diriger un parti politique en Ontario. En 2009, Andrea Horvath est devenue la première femme à diriger le NPD. Enfin, en 2013, Kathleen Wynne a été élue à la tête des libéraux, devenant ainsi première ministre de l'Ontario, la première femme à occuper ce poste qu'elle a maintenu après sa réélection en 2014. Lors de cette élection, 38 femmes ont été élues, représentant 35,5% des sièges à l'Assemblée législative de l'Ontario. La lutte pour le suffrage universel ne s'est pas terminée avec l'obtention du droit de vote des femmes en 1917. Ce n'est qu'en 1954 que l'émancipation électorale a été accordée aux hommes et aux femmes autochtones en Ontario. Le militantisme des suffragettes et d'autres réformateurs a conscientisé la population et a entraîné des changements législatifs qui ont amélioré les droits politiques, juridiques et économiques non seulement de l'ensemble des femmes, mais de l'ensemble des citoyens de l'Ontario. Ma grand-mère faisait partie de ces femmes qui voulaient le droit de vote. Et elle m'a certainement expliqué la différence que ça a fait de pouvoir parler pour soi-même et à quel point c'est important. Lorsqu'on pense à toute l'influence, pouvez-vous imaginer, il y a 100 ans, lorsque les femmes ont obtenu le droit de vote, comment elles ont influencé les politiques que nous avons toujours en place et les décisions qui ont été prises par le gouvernement? Ma grand-mère, quand elle est née, n'avait pas le droit de vote, et j'en étais très consciente. Ma mère, elle, quand elle est née, n'était même pas considérée comme une personne. Il faut se souvenir du mouvement des suffragettes de la même façon qu'on se souvient du mouvement des droits civils. On ne lui donne pas la même crédibilité. Il n'existe pas de jour de reconnaissance des femmes en politique. J'ai créé le projet Filles au gouvernement et en position de leadership dans ma circonscription pour faire connaître aux filles le mouvement des suffragettes et la lutte pour le droit de vote. On leur enseigne aussi que dans certaines régions du monde, les femmes ne sont pas nécessairement égales et qu'elles doivent se battre non seulement pour leur égalité et leur éducation, mais aussi pour leur liberté. Du moment où j'ai obtenu le droit de vote, du moment où j'ai eu 18 ans, je ne crois pas avoir manqué de voter dans une seule élection. C'est simplement une valeur avec laquelle nous avons grandi. Les femmes ont fait beaucoup de progrès au cours des 100 dernières années, certainement depuis qu'elles ont obtenu le droit de vote. Lorsqu'on se tourne vers le passé, je peux seulement considérer les 70 dernières années, mais lorsque je considère ces années-là, et que je vois où on se trouve aujourd'hui, je crois qu'il y a eu de grands changements de politique et d'acceptation dans l'environnement politique, bien qu'il y ait encore beaucoup, beaucoup de défis à relever. Au cours de l'élection provinciale de 2018, 49 femmes ont été élues, représentant 39,5% des députés. Cela représente le taux le plus élevé de l'histoire de l'Ontario.